Joyeux réveillon de Noël, même si vous verrez ça sûrement très tard. mais on est le 24 décembre aujourd'hui déjà. Déjà, ça passe tellement, tellement vite. Je viens de rentrer de chez Nikita. Je suis toujours en pyjama parce que je suis juste. Elle m'a juste conduite, donc j'ai décidé de rester en pyjama, mais je vais sûrement prendre une douche et me changer par après. Mais il est déjà un peu passé midi. Je pense que je vais quand même manger un petit truc. Parce que je commence déjà à avoir faim, même si elle m'a fait un déjeuner très très bon. Elle m'a fait des œufs brouillés avec du boursin. C'était très très bon. C'était vraiment, c'était genre la texture parfaite pour des œufs brouillés. Puis, oh mon dieu, sa famille était tellement adorable. J'ai fait le gâteau. Je pense que j'ai pas filmé finalement la fin du gâteau. Je sais plus si j'ai filmé ou pas. Mais ce que ça ressemblait à la fin. Mais je mettrai une photo sur mon Instagram si vous voulez aller voir ça. Et ils ont vraiment 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 adoré le gâteau. Donc je suis très contente. Ça leur a fait plaisir et tout. C'est vraiment genre mon love language généralement, faire des gâteaux pour les gens, des pâtisseries en tout cas pour les gens. Je sais que ça fait très très plaisir, surtout là j'avais fait une vegan vraiment spécifiquement pour que tout le monde puisse en manger. Puis ouais, ils ont fait à manger et tout aussi, j'ai vraiment bien mangé. Puis on a regardé un film de Noël aussi qui était pas trop mal, mais bon, un peu genre Hallmark. Ce genre de film là. Mais aussi ils m'ont fait des cadeaux, ils sont trop mignons. Des chocolats pour toute une boîte, genre elle est plus grande, littéralement plus grande que ma tête. Voilà, puis je vais vous montrer aussi, je vais vous montrer ce qu'ils m'ont donné d'autre, mais c'était vraiment trop cute. Mais c'est ça, je vais manger un petit peu, puis je vais commencer déjà à préparer certaines choses pour le souper de ce soir, parce qu'on a vraiment fait beaucoup de choses dans le four, parce qu'on va faire une petite dinde avec une farce sur le côté, parce que finalement, qu'est-ce que j'avais raconté, mais j'avais commandé de mon épicerie, et puis le gars qui a fait mon épicerie a pas acheté les bonnes choses, donc il a pas trouvé de dinde farcie, mais en vrai, moi j'ai été hier aussi, il n'y en avait plus. De petites, en tout cas, il y en avait des grandes, mais on n'avait pas besoin de grandes. Donc, ouais, donc on a la dinde, donc on va faire une petite farce à côté, même si ce sera pas genre la meilleure farce, bon, c'est pas grave. Puis on va faire aussi un gratin de finois, ça aussi ça va dans le four, puis des petits légumes aussi dans le four. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer le gratin de finois et les légumes déjà à l'avance. On fait ça dans le four, puis on pourra facilement les réchauffer ce soir, et puis on fera la dinde et la farce plus tard. Aussi, ce que je vous avais montré, que j'avais acheté des clémentines, je suis même pas sûre, je pense pas, mais j'aime tellement les clémentines. J'achète toute une caisse généralement, bon en ce moment elles sont quand même encore un peu chères, genre 8$ la caisse, mais bon c'est pas trop grave encore. Mais j'ai une obsession avec les clémentines. Quand c'est la saison des clémentines, j'en mange littéralement genre 3-4 tous les jours. Vraiment, je peux finir genre cette caisse là en quelques jours, toute seule. J'hésite aussi à laver mes cheveux, mais ils sont pas encore finalement pas si sales parce que j'ai utilisé le shampoing sec hier. Peut-être que je les laverai demain. Ils ont vraiment juste une texture très bizarre, justement à cause du shampoing sec. Et en plus du fait que mes cheveux sont décolorés, c'est très bizarre. Je vais aussi donner un peu d'eau à cette plante parce que je vois qu'il y a des feuilles mortes. Et le truc, c'est que celle-ci, on lui donne jamais de l'eau, quasi jamais de l'eau. Et elle est toujours vivante parce qu'il y a vraiment beaucoup d'humidité dans la cuisine. Mais il y a pas l'air de... Elle a l'air un peu plus triste que d'habitude. Et ouais, vous pouvez vraiment voir les feuilles mortes. Donc je vais quand même lui donner un peu plus d'eau. Mais oui, je sais pas si vous avez vu aussi notre collection. Mon dieu. C'est parce que ma collègue et moi, Bélou et moi, on a une obsession avec les œufs Kinder. Donc à un moment donné, on avait commencé à en acheter de princesses, puis on a eu plusieurs princesses. Et on voulait faire la collection de toutes les princesses, sauf qu'il nous en manque encore. Donc s'il y en a qui savent en acheter. Mais je pense qu'ils ont arrêté de nouveau, donc ouais. Donc là, on en a juste quelques-unes. On a Mérida, Réponse, Tiana, Cendrillon et puis Moana. Mais il nous manque Ariel, il manque Belle et la Belle au bois dormant, Aurore. Mais je sais pas, je pense qu'il y en avait une des trois que finalement il n'y avait pas. Ah non, il y avait aussi Blanche-Neige, mais je sais pas. Il y en a une de ces quatre là qu'ils n'avaient pas du tout dans la collection. Puis on en a eu des autres là de Pat Patrouille. Mais bon, ceux-là ils sont un peu moins beaux. Je trouve que ceux des Disney sont un peu mieux. Puis à un moment donné, on en avait aussi de Harry Potter, je pense. Mais je sais pas où est l'autre. On en a un autre, je pense que j'avais eu Ron. Je suis tellement fatiguée, oh mon dieu. Je sais pas pourquoi je suis fatiguée parce que en plus j'ai vraiment beaucoup dormi. Je me suis réveillée à genre 10h je pense. Et Nikita à côté de moi était déjà partie. Je l'avais même pas entendu. Quand moi quand je dors, je suis morte.
J'entends absolument rien. Elle a dit qu'elle s'est réveillée avant son réveil, donc j'avais pas entendu le réveil ou quoi. Donc ouais, je me suis juste réveillée à 10h, naturellement. J'étais genre là, waouh, j'ai beaucoup dormi. Ça fait longtemps que j'ai plus autant dormi. Mais là, je suis arrivée à la maison, j'ai pris ma douche et joyeux Noël à moi. J'ai mes règles. J'adore. Ouais, juste après ma douche, genre, je me suis installée sur mon lit un peu là. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai failli m'endormir. Mais non, je pense que je vais manger. Mais je vais vous montrer ce que Nikita et sa famille m'ont offert. D'autres que les chocolats que je vous ai montrés tout à l'heure. Ils sont vraiment trop mignons. Pull de Noël aussi. Un peu taché, je pense qu'il y a une tache de chocolat quelque part. Ça avec les pantalons que j'ai acheté l'année dernière aussi. L'année dernière? Non, il y a 2 ans. Je les ai achetés il y a 2 ans. Bon déjà, Nikita ce matin m'a donné une canne de Noël, une canne à sucre. C'était dans un petit sac comme ça, trop mignon. Encore du chocolat en A. Ça c'était trop mignon parce que j'en avais, si vous vous souvenez dans notre vlog, j'en avais acheté un pour le gâteau de Eve. J'avais acheté un E, je l'avais mis sur le gâteau d'Eve. D'autres chocolats encore en plus, vraiment adorables. Je pense que c'est des chocolats Godiva. Il y a des chocolats Godiva qui techniquement aussi une marque belge, mais genre en Belgique, genre. Je sais pas si c'est vraiment très connu. Enfin bref, ici c'est connu en tout cas. Ou il y a des truffes Hershey's. J'ai jamais goûté les truffes Hershey's, mais j'aime les truffes. Il y a aussi, ben en fait c'est 2 sets techniquement. Petites bombes de bain et savon. Ça sent tellement bon, en plus c'est tellement parfait. Je leur ai dit en plus que j'utilise beaucoup de savon solide moi. J'utilise plus de savon liquide depuis longtemps là, depuis quelques mois, quelques années peut-être même. Il y a celui-ci qui est, puis c'est vraiment une toute petite bombe de bain mais il sent tellement bon. Apparemment c'est d'une petite entreprise locale, Zoe's Corner. Ça sera à l'envers chez vous, chez moi c'est à l'envers. C'est forêt de sapin, une boule de bain forêt de sapin. Et c'est en forme de sapin, je pense que ça se voit. Ça sent vraiment vraiment bon, ça sent vraiment le frais. Et celle-là va vraiment avec ce savon-ci. Il n'y a pas écrit dessus ce que c'est, mais ça sent tellement bon. Puis l'autre, les deux autres vont vraiment bien ensemble aussi. Aussi une autre petite bombe de bain. Celle-ci c'était canne à sucre aussi de chez Zoe's Corner. Je sais pas trop ce que c'est la forme. Quand je prendrai un bain à un moment donné, je pense que je vous donnerai. Je pense que c'est une sorte de bonbon, je pense. Ça a l'air d'être un bonbon. Puis celle-ci aussi c'est canne à sucre. Je suis tellement contente. Elles sont tellement cute. Ils sont tellement cute, franchement. Ils m'ont tellement bien accueillie. Ils étaient vraiment genre, adorables. Il y a juste la mère de Nikita qui s'est excusée d'avoir mal écrit mon prénom. Mais c'est trop cute. C'est vrai que bah, le truc c'est que Alicia ça s'écrit souvent comme ça. C'est la faute de mes parents. C'est mes parents qui ont choisi d'avoir... Surtout mon père. C'est la faute de mon père. Papa c'est ta faute d'avoir choisi un prénom trop compliqué à écrire. Mais au moins je suis originale. C'est vrai que quand je dois donner mon prénom à quelqu'un, généralement les gens m'appellent Alicia. Pas Alicia, Alicia. Bon, c'est pour ça que sur les réseaux je préfère juste... Ali. Et les anglophones aussi, généralement, je leur dis juste Ali. Aussi, je vous ai pas montré, mais on a ouvert notre dernier jour du calendrier de l'Avent. Et j'ai eu un bueno en entier, comme je vous l'avais déjà dit, je pense. Je savais que j'allais avoir un bueno en entier. C'est trop triste. Après un mois, presque un mois de chocolat, ils vont là, à la poubelle. J'ai aussi mis, justement, vous avez vu la boîte de Lindt, c'est parce que j'ai mis la plupart des chocolats ici pour en partager avec mes colocs, parce que je vais sûrement pas tout manger toute seule. J'en ai encore d'autres là-haut, de toute façon. Mais regardez-moi cet adorable chat, il est tellement heureux. Par contre, Bellou me disait il y a quelques minutes qu'elle a vu qu'il s'est frotté contre le sapin. Bon là, je l'ai allumé, mais il n'était pas allumé avant. Mais elle m'a dit qu'il s'est frotté contre le sapin. Je sais pas s'il se grattait ou si le sapin n'a pas son odeur donc il marquait son territoire, je ne sais pas. Mais on va le surveiller. Faudrait que je refasse des photos avec lui aussi devant le sapin. J'en avais fait il y a 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. C'est pas mon chat, mais je l'aime comme si c'était mon chat. De toute façon, il a habité avec nous ici pendant... Oh, c'est chaud! Il a habité quand même ici avec nous pendant
presque 5 ans. Bon, je mange des restes de pâtes de hier que la mère de Nikita avait préparé. C'était un peu du genre cacio et pepe. C'est peut-être pas exactement ça, je pense, mais c'est vraiment, vraiment trop bon. Je ne vais pas trop manger non plus, puisqu'on va beaucoup manger ce soir. Ouf. Puis j'ai encore... J'ai vraiment beaucoup de crampes, là. J'ai vraiment mal. Donc, je vais me reposer un petit peu. Puis, commencer à cuisiner. C'est cute, genre les années précédentes, j'avais reculé le meuble de l'atelier par là pour pouvoir mettre le sapin, genre juste ici. Et son lit en dessous. Et il dormait sous le sapin avant. Mais non, je suppose que c'est peut-être un peu mieux. Il a la vue du sapin au lieu d'être en dessous. Je sais pas ce qu'il préfère. Mais il a l'air confortable là. Mais oui. And they're so thin too. Get your potato chips. Okay, alors, j'ai préparé déjà la base du gratin dauphinois. Je sais qu'il y a des gens qui cuisent d'abord les patates dans la sauce, qui font un peu bouillir et tout. Moi, j'aime bien juste le faire en une fois. Ça prend plus de temps dans le four, c'est vrai. Mais c'est un peu moins de travail, je trouve. Donc, j'ai préparé différentes couches de pommes de terre et à chaque couche je mets des épices à chaque fois pour que ce soit vraiment bien uniformément épicé. Donc je mets de la noix de muscade, du sel et du poivre simplement. Donc là je vais juste rajouter la crème, le fromage et puis mettre ça dans le four à je pense que c'est genre 200 degrés Celsius quelque chose, mais c'est 400 degrés Fahrenheit. Et ça va rester au four pendant genre une heure, quelque chose comme ça je pense. Et puis bien sûr pour que ce soit gratiné, le fromage. Bien sûr, n'oubliez jamais le fromage, jamais, et jamais trop de fromage non plus. Mon dieu, mais ça va être lourd. Je vous jure, on va manger, moi en tout cas, je vais en manger pendant des jours là. Parce que Lilou, elle part le 26 pour rentrer au Chili chez elle. Donc ouais, je vais me retrouver avec tout le reste. Ok, ça va au four, mais par contre je vais le mettre... Oh mon dieu, j'ai tellement mis d'épices que ça me rentre dans le nez, j'ai envie d'éternuer. Mais je vais le mettre sur celle du bas pour que ça cuise vraiment vers... Ouh. Oh mon dieu, en bas. Je vais pas me brûler, je vais pas me brûler, je vais pas me brûler, je vais pas me brûler. Ok. Parce que vraiment que ça cuise vers le bas, ça cuit trop vers le haut ou quoi. Ça va pas assez cuire uniformément. Formément. Mon dieu, aujourd'hui je suis fatiguée. Look so good. Yeah, I'm gonna put some aluminum foil. You're right, because it's white on the inside. It looks very pretty. I like it. Simba, that's you! He does not care, he's falling asleep. You poured it on it! Yes. Ooh. It smells so good. It's gonna be so good. Should I put it below the turkey or next to the turkey? I cook too fast if I put it below the turkey. Yeah? Yeah, because I feel like it's gonna be too close to the big ones. I guess. What else do we need to put in the oven? The veggies? The veggies and yeah, that's gonna. He dog. Kill that bean, pickle, whatever that is. Oh, should we cut that's the tag? Oh, I don't know. Okay, on est en train de se faire un pré-apéritif. Donc je vais nous ouvrir la bouteille de boisson pétillante à la pomme rosée. Donc sans alcool. On est en train de manger du saucisson parce que dans le four, on a des apéritifs, plus la dinde et la farce. Les apéritifs vont prendre au moins 30 minutes et j'ai déjà faim. Oh my god! Wow! Oh! My food! Look! Oh, is this like a retreat? Yes.
Oh yeah, no, I think they're good now. I'll give you more food. Oh. Okay. Sit. Good boy. Mmm, I like this one. Yeah. Mmm. Okay. Vanilla? Tiramisu. That's almond flour. But not with a brush. And not with almond flour. Simba. Turkey. Is the house burning down? No, it looks better now. Ooh. I think that whatever was at the bottom burnt. Okay. Even a little bit more? I think it looks okay. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. I need to. Let's look how pretty my violets were today. They're so pretty. Now the other turkey I wouldn't have filmed, it is gross. With all the bones and stuff. Yeah. Hello? Oh no! Okay, sorry, you get those two pieces. That's fine. For raspberries, mm-hmm. some form of caramel, chocolate, coffee. Set out to do. Damn, that's so pretty. Wow. Alright, we're calling Yolanda's birthday Bonanza explosion cake. Wow. It's so well done. I love that they made a fake slice of cake. Yeah. But it's very. Simba. Oui, je sais ta faim. No. He can't run away. We'll cut it in. See? He won't even close his eyes. Oh, don't Sir. What do you think you're doing? What do you think you're doing? Just stop looking at me. It's so pretty. I love those flowers. I love them so too. Dumb-y. I know. Look at how many fishies you have. Oh, yeah. They're all dying because they're all kind of old. I don't know. There may be some that are going to go. Like. Oh, yes. Yeah. Like, oh, on this branch. Damn. Yeah. A lot of fish there. Yeah, I love that. Yeah. Oh, my yeah. God. This one's on time because last year was when I got it. It's so perky now. I feel like it used to be so. This one? Droopy, yeah. I don't know. Maybe. I feel like it's too tall, though. You want to cut it? Not now. Later, probably. When, like, the flowers die. Yeah. But yeah, I feel like those flowers are on time. I feel like my orchid is late because usually it blooms twice a year. Oh, yeah. And it hasn't really done anything. No, once in the winter and once during the summer-ish. Come on, Simba. You want food? Come on. Mm-hmm. Yeah. Stop complaining. Fuzzy butt. Sit. Simba. I'm waiting. Good boy. There you go. Je vais donner mon savon à la canne à sucre. C'est vraiment beau, c'est genre vraiment au thème de Noël, quoi, rouge et vert. On a de nouveau coupé mes cheveux. J'ai seulement 5 verrines finalement. Mais c'est beau. Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose. Avec Pascal, l'autre jour, quand on a fait des biscuits, on a aussi fait des mini étoiles. Donc je pense que j'aimerais bien en mettre au-dessus.
aussi, je pense que ça serait... Mais vraiment cute, oui. Ok. Oh, j'adore. Ah, c'est vraiment beau, hein. Oups. C'est trop mignon. Until it all comes together. It doesn't seem like I'm left water. That's what I was thinking too. Just put it in. I'm gonna go to wash my ankle. I don't want to have any more water. Hers basically looks like bread. Yeah. Okay, I'll take a photo of her. I think this should be okay. I'm gonna split it in two and you can help me knead it. Yes. Because I feel like, is this good? I think? Maybe. I feel like hers looked. Why is there like glitter on it? Oh no, it's the salt. Yes. It's the salt. It's not glitter. A candy cane. We have a Santa. We have another Santa. And it has this. Too. Yes, we have an angel. Cute. We have a mitten, a glove. We have a star. Love it. We have a Christmas tree. We have a penguin. We have a snowflake. Cute. We have a reindeer. And ooh, a little gingerbread man. I guess. I don't know how I'm gonna do this. I'm gonna struggle. Okay. Simba, big boy. Can you help me? Can I get your paw? Can I get your paw? Oh, sorry. I don't know. I don't want to press too hard. Can you press? Try in another place. I feel like that one. Yeah, that one might be a bit too thin. You okay? I don't know if it's gonna work. I don't think it's gonna work. Aww. Hello, Simba. Hello, Simba. I'm just gonna grab you a little paw. Oh, can you move a bit forward? Forward? Yeah. I don't know how hard to press. Me neither. I don't wanna hurt him. Such a good boy. Oh. Okay, this is not working out. No. Really well. It's okay. Oh. Come on, I'll give you some food. You put your paw. There we go. Just stand on there. Yeah. Good boy. Oh, that's all good. You're a good boy. Just do this one, this paw. I could give one to Yasmin. There you go. Oh no, is it? Too close to the other one, yeah, I don't think we're gonna. Okay, but they come out so easily now. Okay. Oh, Simba! He almost stood on the other one. Just put your paw. There you go. Oh, oh no! Oh, lift him, lift him. Stand on it. Oh! So good. Okay, okay. You're such a good boy. Let me just. Looks so good. And the dough is still pretty, like. White, I think. Yeah, I think so. Yeah. Nice. Oof. Yummy. See, they're in a snowflake. Bon, j'ai pas réussi à en faire beaucoup parce que je suis toujours très très lente. Puis il faut à chaque fois attendre que la peinture sèche aussi pour faire d'autres couches. Même si quand même ça sèche assez vite. C'est pas, on va dire, les plus beaux. Ça se voit que c'est fait à la main.
Mais c'est correct. Je pense que c'est quand même assez mignon, je trouve. Puis les petites pattes de Simba, ça c'est les plus adorables. Mon ancien coloc va adorer, je pense, enfin, j'espère en tout cas. Il y en a un que je vais garder pour moi, puis l'autre que je vais lui donner. Mais oui, les autres aussi. Celui-là, il fait peut-être un peu peur avec son œil, mais en fait, ça va encore, je trouve. Bellou s'est endormie pendant qu'on regardait le Grinch en même temps. Donc, elle n'a pas pu en faire parce que, donc, je sais pas si je l'avais expliqué, mais elle part demain pour rentrer chez elle au Chili pour voir sa famille. Donc, pendant quelques jours, je vais rester seule, pas très longtemps parce que mon autre coloc revient le jour de l'an, elle a dit. Donc, bon, je serai pas seule très longtemps, mais ouais, donc elle a pas pu en faire, même si elle le voulait, je pense. Mais peut-être que demain matin, elle aura le temps, je sais pas. On verra. Elle est en train de faire sa valise là, puis elle va aller dormir parce qu'elle était assez fatiguée. Puis moi aussi, je vais aller dormir là. Puis demain, Noël, c'est fini. Je vais reprendre le travail, enfin le travail entre guillemets. Je vais travailler sur ma thèse maintenant, jusque le 3 janvier, au moins. Enfin, mon téléphone avait coupé. Donc ce que je disais, c'est que j'allais travailler sur ma thèse très intensément jusqu'au 3 janvier. Puisqu'au 3 janvier, je recommence à travailler vraiment. Donc jusqu'à là, je travaillerai intensément sur ma thèse. Puis après, ce sera plutôt de nouveau une routine différente. Je sais pas trop ce que je vais filmer. Alors vers les derniers jours de cette année, là. Mais on verra. Là, je vais aller dormir. J'essaie encore déjà de faire des transferts de vidéos sur mon ordinateur et tout aussi parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. C'est l'inconvénient quand je vlog maintenant avec mon téléphone, c'est que j'ai plus de place, jamais de place. Je vous dis à bientôt, bye.